Ah ben c'est nouveau, hein. On n'a jamais entendu dire la ferme, la verchure, a fait des nuisances, ceci, cela, non, jamais. Hein. Aujourd'hui, c'est aussi une crainte pour la profession, puisque ce jugement est une porte ouverte à d'autres jugements, que ça fera jurisprudence. Et dans l'Oise, il me semble qu'on doit être à peu près à un dossier sur deux de mise aux normes, comme la nôtre, qui ont été faites à moins de 100 mètres des habitations, avec une dérogation de distance. On veut acheter français, si on fait partir ces gens-là, on n'aura plus rien. Hein. Quand vous voyez comment le bâtiment est bruyant, là, actuellement, vous vous demandez qu'est-ce qu'on peut faire de plus de toute façon. Tous les animaux, je serais obligé de les vendre, fatalement. Bonjour à tous et bienvenue sur VA+. Si vous êtes de passage, je vous invite vraiment à vous abonner, c'est très important pour le référencement. Ici, je suis dans le Vexin français à 1 heure de Paris, dans le village de Saint-Aubin-en-Bray. Un agriculteur, Vincent Verschuer, a été condamné à verser 100 000 euros de dommages et intérêts pour les nuisances que produiraient ses vaches. 100 000 euros, une somme qu'il ne peut pas verser. On va lui demander à cet agriculteur comment il va faire face à cette énorme somme, mais aussi si ces nuisances sont réelles, constatées et partagées par beaucoup de riverains, ou bien si les habitants du village soutiennent Vincent. C'est parti. Alors vous êtes exploitant agricole, ça fait combien de temps que vous êtes installé ici? Donc je suis installé ici, je suis sur l'exploitation depuis mon enfance de toute façon, hein, on est la quatrième génération sur l'exploitation, moi je suis né ici. Ouais. Au moment où je me suis installé, répondre à tout un tas de normes européennes et les bâtiments qui accueillaient les vaches laitières datant des années 70 étaient techniquement impossibles à mettre aux normes. Donc le choix a été fait de chercher à reconstruire un nouveau bâtiment pour accueillir les vaches laitières. De là, on a cherché des terrains à la distance de 100 mètres qui est la distance de base exigible. Donc on a fini par faire cette mise aux normes sur le terrain actuel où on était propriétaire, avec cette fois une dérogation de distance pour déroger la règle de 100 mètres, mais en proposant des mesures compensatoires. Ah, du coup, vous n'êtes pas à 200 mètres des habitations et c'est ça ce qui est en jeu, c'est ça ce qui vous est reproché? C'était 100 mètres la règle pour, de base, et en effet, on a obtenu cette dérogation. Ça se fait pas comme ça, ça passe devant un mini-tribunal qui vous accorde ou non cette dérogation en fonction de ce que vous proposez. Et chose qui nous a été accordée à l'époque, donc les travaux ont débuté. Et une fois le bâtiment construit, avant même qu'il y ait des bêtes, des riverains ont attaqué. Pour donc d'abord attaquer la mairie pour demander le retrait des permis de construire. Et donc ça, c'est parti au tribunal, les choses qu'ils ont obtenues. Ouais, c'est un riverain qui a qui a cherché du monde pour venir avec lui et s'est retrouvé un collectif de 6 riverains. 3 n'habitent plus ici, ont vendu leur maison pour 2 et le 3e a mis sa maison en location et les nouveaux habitants n'ont jamais fait parler d'eux. Alors là, la justice vous demande 100 000 euros à verser à qui ? À ces 6 riverains, les 3 qui n'habitent plus ici et les 3 qui habitent encore ici. D'accord, alors c'est des sommes que vous n'avez pas, c'est ce que vous disiez dans la presse. Comment vous allez faire vous avez des recours, vous avez encore un recours en cours de cassation ? Oui, on a encore un recours en cours de cassation, mais je n'ai pas les compétences pour répondre aujourd'hui s'il peut y avoir un intérêt ou non. Forcément, si on n'avait pas été contraint de faire ces normes, on n'aurait pas reconstruit. On serait resté sur les bâtiments actuels, on n'aurait pas cherché à reconstruire un bâtiment. Donc quand on a créé ce nouveau bâtiment, sachant proche des habitations, on a choisi de mettre les bêtes en total paillé, ils sont uniquement sur de la paille, parce que sur le conseil des chambres d'agriculture, c'est la façon, la pratique qui génère le moins d'odeur. La fosse, elle, on l'a mis sous le bâtiment pour pas qu'elle soit au grand air, à l'air libre, et pour générer le moins d'odeur. La seule traite, on l'avait équipée, elle, d'un moteur avec une régulation électronique pour limiter les nuisances. Il n'y a pas mieux là-dessus, on ne peut pas faire mieux. Donc on avait mis toutes ces choses en place pour limiter vraiment notre impact sur notre environnement voisin. Alors les vaches, forcément, ça a une odeur. Est-ce que c'est parce que vous avez des voisins qui n'étaient pas habitués à la vie rurale ? Bah si, puisque c'est des voisins qui étaient là avant qu'on construise ce bâtiment. Et comme vous pouvez le voir tout à l'heure, l'ancien bâtiment est à 10 mètres du nouveau. Donc je pense pas que s'il y avait une vache qui meuglait à 10 mètres près, je pense que c'est pas ça qui a. Le bruit s'arrête pas. Une fois les services vétérinaires sont venus, on vidait ce bâtiment qui est juste derrière vous, donc qui est bien plus éloigné de l'ancien, mais le vent portait par là-bas, on faisait du fumier, donc il y avait une odeur. C'est pas pour autant que ce trouble est caractérisé comme anormal. On fait pas ça le week-end, on fait pas ça les jours fériés, on fait ça en pleine journée. Dans le village, est-ce que y a beaucoup de riverains qui partagent ce mécontentement ? Ils partagent tout du moins cette incompréhension. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'aujourd'hui,
on vient d'accorder un permis, une dérogation, et on dit bon, bah oui, vous construisez là, et que 10 ans plus tard, on vous dit ah, bah ça va pas, ça reviendrait si vous voulez en tant que particulier à demander un permis de construire, construire une maison, une fois que vous êtes arrivé dans la maison, vous dire bah écoutez monsieur, vous allez la démolir parce que finalement ça convient pas à votre voisin. Est-ce que vous avez l'impression que on oublie le vrai quotidien de la vie rurale au profit de, bah ouais, d'une vie de pavillon beaucoup plus calme, etc., plus aseptisée ? Bah, moi, ce que je dis surtout, c'est que si c'est le cas, il faut l'assumer. Si demain, on veut... Parce que clairement, pour le monde agricole, bah, on n'est pas très loin de la Somme où il y avait la ferme dite des 1000 vaches. Donc, c'était une ferme, pour le coup, industrielle. Qui accueillaient 700 vaches laitières, ils n'ont jamais réussi à les autorisations de 1000 et finalement la population n'en voulait pas. Ici, on est une ferme familiale rurale au cœur du village et si finalement on n'en veut plus non plus, autant qu'on l'assume concrètement, que nos politiques nous disent bah, écoutez, on ne veut plus d'élevage en France, on va l'importer de l'étranger et on veut des campagnes qui sont des villages dortoirs, qui n'y a pas le moindre bruit, le moindre odeur et calme et paisible. Vincent, là vous avez combien de bêtes ? Au total, on doit avoir à peu près 260 bêtes. Donc, on a nos 80 vaches laitières. Et puis ensuite, c'est du petit veau jusqu'à temps qu'elle devienne vache, ce qui met 3 ans. Et puis tous les mâles qu'on élève pour la viande. Sur le village, pour faire état un peu de proximité, on est 3 fermes laitières et je suis la plus petite. Aujourd'hui, j'ai mon lait qui part. Tous les 3 jours, le camion vient ramasser, mais on ne sait pas à quel prix on sera payé à l'avance. Puis c'est pas nous qui faisons le prix. On ne peut pas dire bah, c'est trop bas, on ne vend pas, ou ce genre de choses. Et on est sur de la denrée ultra frais, ultra périssable. On ne peut pas dire bah, je stocke et j'attends des jours meilleurs. Voilà, on est dans ce fameux bâtiment qui est abattoir de nos voisins. Donc tout ce côté-ci accueille nos vaches laitières avec ici cette fameuse fosse en fait. Donc là c'est là où on parque les vaches juste avant qu'elles rentrent en salle de traite. Pour forcément pouvoir trier celles qui ont été traites et celles qui n'ont pas encore été. Donc elles rentrent après en salle de traite et c'est ici qu'est la fosse. La fosse est là sous le bâtiment, on est juste à côté, elle vient jusque là. Cette fosse elle est demandée par l'Union Européenne pour ne pas polluer les sols, c'est ça l'idée ? C'est ça l'idée. Alors déjà dans le jugement, on nous reproche que ce bâtiment n'est pas fermé puisqu'il a été fait avec 2 permis de construire. Un permis de construire pour le côté des vaches laitières, un permis de construire pour la partie des veaux d'élevage, et ils se rejoignent au milieu, comme vous pouvez le voir. On a juste à fermer la porte et on est fermé des 4 côtés. Dans le jugement, ils ont voulu servir de ça, justement, pour dire bah, le bâtiment est fermé que sur 3 côtés, donc il n'isole pas du bruit du tout, ni des odeurs. Donc je pense que vous êtes là pour le constater, on joue sur les mots, mais le bâtiment est fermé totalement. Aujourd'hui, ce qu'on nous reproche, c'est donc un bruit de meuglement ou de barrière ou de tranchin qui font trop de bruit. Il y a des moments dans la journée où, parce que là, il n'y a pas de meuglement, mais est-ce que c'est parce qu'on n'est pas au bon moment ? Mais c'est ce que je dis toujours, c'est que de toute façon, si on veut demain prouver quelque chose, on pourra toujours. Hein. Aujourd'hui, on nous donne 3 mois pour proposer des solutions visant à faire cesser le trouble anormal du voisinage. Quand vous voyez comment le bâtiment est bruyant là, actuellement, vous vous demandez qu'est-ce qu'on peut faire de plus de toute façon. Donc la seule solution, c'est finalement d'enlever les bêtes du bâtiment. Si dans trois mois je propose rien, on va me condamner à la démolition à telle date et si elle n'est pas respectée, ce sera une astreinte financière. Malheureusement, il n'y a pas le choix. Tous les animaux, je serai obligé de les vendre, fatalement. Et si vous vendez vos animaux, il vous restera quoi comme exploitation ? Ce sera la fin de l'exploitation. Mais aujourd'hui, c'est aussi une crainte pour la profession, puisque ce jugement est une porte ouverte à d'autres jugements. Du même type, pour faire jurisprudence. Puisque ça fera jurisprudence et concrètement dans l'Oise, il me semble qu'on doit être à peu près à 1 dossier sur 2 de mise aux normes comme la nôtre qu'ont été imposées, qui ont été faites à moins de 100 mètres des habitations avec une dérogation de distance. Un agriculteur qui serait donc à plus de 100 mètres des habitations et qui a demain un rapport d'huissier qui vient d'un voisin pour dire bah, il y a un trouble du bruit, il y a du bruit, il y a de l'odeur, moi je l'ai constaté, pourrait amener au même jugement. Est-ce que ça vous met en colère, ça vous énerve ? Vous nourrissez des gens
qui derrière ne veulent pas assumer les désagréments de toute cette production agricole dont ils bénéficient chaque jour. Est-ce que pour vous c'est de l'ingratitude quelque part parce que vous avez un métier qui est pas simple? Ah non, c'est un métier qui n'est pas simple. Et à côté de ça, c'est très français, c'est qu'aujourd'hui on veut tout près de chez nous, mais tout produit loin de chez soi, quoi. Donc là je me trouve dans la rue adjacente à l'exploitation de Vincent Verschuer, de son grand hangar où ses vaches se trouvent. On va un peu demander aux habitants ce qu'ils en pensent et s'ils vivent ces nuisances, eux qui sont vraiment juste à côté de l'exploitation. Vous subissez des nuisances de la part de l'exploitation Verschuer? Non. Non. Les odeurs? Non plus. Non. Les beuglements? Ben, quand le taureau est en route, après c'est normal. Après, quand on décide d'habiter la campagne, c'est pour c'est pour ça. Vous comprenez pas trop les gens qui habitent après de plein d'exploitations et qui se plaignent de ça? Ah non, ça je comprends pas, non. Après, ouais. Quand on achète, on sait où on achète, on sait où on va habiter. Après, on fait le tour. Moi, j'ai acheté il y a 10 ans, j'ai fait le tour, j'ai vu qu'il y avait une école à côté, il y avait l'église. Donc je ne vais pas me plaindre quand l'église sonne, je ne me plains pas quand j'entends les enfants crier, et encore moins les animaux. D'accord. Après, on veut acheter français, du blé français, de la viande française. Si on fait partir ces gens-là, on n'aura plus rien. Hein. Oui, on veut du local, mais pas en bas de chez soi. Voilà, c'est ça. Et souvent, c'est ces gens-là qui se plaignent. En fait, ils veulent du pur français, du bio, tout ce qu'on veut. Et en fait, c'est eux qui vont se plaindre les premiers... Non, enfin moi je trouve pas ça logique. Après, bon je sais pas. C'est vrai que c'est choquant. Moi je trouve ça choquant. Alors, vous habitez juste à côté de cette exploitation. Oui, je trouve derrière. Voilà. Là, ils passent là souvent avec leur camion pour livrer et tout ça. Et est-ce qu'au quotidien vous avez des nuisances? Est-ce que vous comprenez les plaintes qui ont été déposées contre cet agriculteur? Non, les vaches. Non, je ne comprends absolument pas ça. Ici, là, à côté, moi, je sais pas, elle disait que ça sentait mauvais, elle se plaignait toujours de la ferme, mais bon, après, je ne sais pas. Je comprends pas, d'abord. J'en ai habitué Ça fait longtemps que vous êtes ici, vous? Oui, une trentaine d'années. Ouais. Et d'avoir comme ça des nouvelles personnes qui débarquent et puis qui se plaignent de la campagne, c'est... Ouais, c'est embêtant. Alors, on a pu parler à un voisin, mais qui n'a pas souhaité apparaître, et qui nous explique que les nuisances olfactives, sonores, sont bien réelles. Et il nous a expliqué notamment qu'un des habitants a vu sa haie dépérir en raison de la pollution que produit le purin. Vous êtes le papa de Vincent, oui. Vous-même avez repris l'exploitation de votre père, oui. De vos parents. Oui. Est-ce que c'est déjà arrivé dans le village qu'on vous reproche des nuisances de la part de vos vaches? Ou bien est-ce que c'est un peu un phénomène nouveau qui apparaît aujourd'hui? Ah ben c'est nouveau. Hein. Moi, je n'ai jamais connu ça dans le village. On n'a jamais entendu dire la ferme Verschuer a fait des nuisances, ceci, cela. Non, jamais. Hein. Avec l'agrandissement des exploitations, plus de hangars, est-ce que c'est aussi ça qui fait que il peut y avoir de... Est-ce que vous pouvez comprendre que certaines personnes voient le village défiguré ou les exploitations devenir plus grandes, plus industrielles? Je ne sais pas si c'est ça qui joue. Hein. Moi, je pense pas. Hein. C'est des gens qui sont arrivés à la campagne sans savoir exactement les inconvénients qu'il peut y avoir. Hein. Ouais. Les personnes qui se plaignent, c'est... Il y a aussi des gens qui sont installés dans le village depuis longtemps? Ou quelle est la part de locaux et de personnes qui viennent d'arriver? Bon, les gens qui nous traînent en justice, ça fait une vingtaine d'années qu'ils sont là, peut-être, à peu près. Hein, peut-être moins. Ouais. Alors bon, c'est des gens qui viennent de je sais pas trop où. Hein. Ça fait déjà 10 ans qu'on est en procédure. Oui. Oui, donc oui, ça fait. Oui. Bon, entre 15 et 20 ans qu'ils sont là, quoi. Enfin, dire, j'en sais rien. Je sais pas. Non, c'est un ressenti qu'ils ont, de toute façon. Non, je sais pas. Non, je sais pas. Ouais. Vous êtes aussi d'une famille d'agriculteurs? Oui. Ouais. Et la vie rurale, est-ce que vous pouvez nous la décrire? Moi, j'ai pas vécu à la campagne. D'accord. Ok. J'étais toujours. Mes parents étaient très occupés. J'ai vécu qu'en pension. D'accord. Ok. Donc j'étais en ville et je comprends pas. Non, moi je peux pas comprendre. Ouais. Donc quand vous êtes arrivé à la campagne dans cette vie agricole, vous avez été gêné. Est-ce que ça a été difficile de vous adapter du coup? Ah non, ça n'a pas été difficile de m'adapter. Non, non. 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 Comment vous avez fait face au beuglement, à l'odeur, etc.? Mais ça beugle pas tout le temps. Vous savez, j'étais dans mon jardin, j'entendais, je dois surveiller parce qu'il y a
pour faire des choses avec mon mari. Je reviens, je ne l'entendais pas, j'entendais la tondeuse. Lui, il avait fini. Donc, non, chacun a des bruits différents. Mais on doit tous s'adapter au bruit de chacun. Je veux dire, c'est de bien vivre ensemble. Par contre, je trouve qu'il y a un gros paradoxe. Ça m'agace. Non, je ne le comprends pas. Donc, il y a un gros paradoxe parce qu'il y a des plaignants qui ont été achetés dans une ferme. On leur a demandé. Et les gens leur ont dit, mais on ne comprend pas. Vous voulez acheter chez nous, local, et vous êtes contre les agriculteurs. Mais non, c'est, je ne sais pas. C'est ce que Vincent disait, c'est oui, c'est bien de manger local, mais pas en bas de chez moi. Voilà, c'est ça. De toute façon, quand on a présenté l'exploitation, on nous a bien dit, oh non, c'est très bien fait. Oui, mais pas derrière chez nous.